Bonsoir, ravie de vous retrouver pour passer ensemble en revue quelques-uns des meilleurs moments de cet avoue avec des artistes dont la vitalité est absolument bluffante. Judith Magre, toujours sur scène à 97 ans. Gérard Hernandez, 91 ans. Macha Méril, 83 ans et une passion intacte pour leur métier. Le secret de Philippe Geluck qui vieillit mieux que son chat. Les réflexions philosophiques d'Alain Juppé et d'Alain Finkielkraut ou encore les états d'âme de Zazie et de Manu Payet. Vous avez un contrat spécial Epiphanie et que c'est à vous C'est-à-dire qu'on ne démarre jamais une année sans vous euh, Mais c'est vous <laughs> Moi, j'ai rien demandé <laughs> Vous êtes au courant pour Matignon, babette <laughs> <laughs> Ça va devenir un peu cool à partir de maintenant. Non, pas, ouais, pas moi, Ça pas. fait deux Manu au pouvoir. alors. <laughs> Manu Macron à l'Elysée, Manu Paillette à Matignon. Moi j'accepte oui. qu'on m'appelle Manu. Bon, vous nous parlez encore, même si vous êtes une étoile du Parisien 2023. Coup de cœur culturel de la rédaction du quotidien qui Ça explique Manu Paillette a ce pouvoir bluffant nous donner l'illusion de ne parler qu'à nous. Comme un meilleur ami euh, que l'on aurait tous au même moment avec une heure et demie dans sa vie. Et vraiment, on vous le dit, que beaucoup se reconnaissent dans l'autoportrait que vous faites, là, de ce quadra euh, euh, qui a peur ouais. de vieillir euh. ben Ça, c'est rigolo, c'est parce que je me rends compte que plus je parle de moi, mais personnellement, de manière euh, assez intime, plus je me raconte vraiment et sincèrement, euh, plus les gens me disent « mais t'as mis une caméra chez nous euh ». Alors qu'en en fait, au début, tu as plutôt tendance, lors de ton premier spectacle, à écrire quelque chose dont tu, dont tu veux absolument que tout parle à tout le monde. Donc tu fais, hé, hey, les agrafeuses, ça fait mal, hein, si on se met... Enfin voilà, n'importe quoi. Et parce que... Et c'est... Plus tu, plus tu vas dans l'intime, plus tu... Peut-être plus tu peut es sincère aussi, après tout. Euh, plus euh, ça, les gens se sentent touchés, concernés. Vous venez d'avoir 48 ans donc, vous n'habitez plus le Lot-et-Caronne. jamais imaginé. C'est vrai Ah ouais, franchement. à vous. Ah ouais Ah ouais, moi, je pensais qu'il était plus jeune que moi. Ben non, c'est le contraire. Oh là là. Donc, vous n'habitez Lo... plus le Lot-et-Garonne <laughs> Non, je n'habite plus le Lot-et-Garonne. Ça a changé de département parce que c'était le 47 de Lot-et-Garonne. <laughs> <laughs> Aujourd'hui, place à la Lausère. 48. <laughs> la Lausère. C'est mon âge. Et alors qu'Audrey est... reste dans le Lot-et-Garonne. Je reste dans le Lot-et-Garonne, moi. Vous y êtes toujours ouais, ouais. On y est bien. Hein <laughs> c'est vrai. J'en ouais, fais ouais. une année merveilleuse. <laughs> Et là, j'ai déménagé il y a 15 jours. Donc je prends mes marques. C'est comment, la lozère Pour l'instant, c'est calme. <laughs> c'est calme, c'est apaisant. Et ça ça de bon, vraiment sincèrement. Je les ai passées... C'était chouette d'aller, euh, de changer d'âge à La Réunion. C'était cool d'aller au calme euh, dans les bras de ma mère pour pleurer. Pleurer, <laughs> c'était le cas Où, Non, 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 j'ai pas pleuré. J'étais content de... Je suis toujours content, moi, d'en de, de, avoir un de plus. Je pensais mourir à la cœur de Coben et puis... <laughs> Ça ne se fait pas. Vas-y, le duo, comment on fait, sera également sur votre album R. Oui. Ça va être l'occasion d'une tournée à travers la France et que vous dites faire avec des musiciens dont j'aurais pu faire partie, puisque vous les appelez affectueusement les musiciens le gang des prostates. Je <laughs> n'ai <laughs> rien vu venir. Moi non plus <laughs> mais oui, où va-t-il C'est affectueux. C'est très affectueux. Vous, vous jouez depuis longtemps garçons. avec eux <laughs> le de la prostate, ils vont adorer. Euh, <laughs> C'est le C'était juste qu'on essayait de se donner des noms moqueurs vu notre âge. J'avais envie, en fait, de musiciens qui, à peu près, le même âge sur scène. Ça dit quelque chose. Je ne voulais pas faire de jeunisme. Je voulais faire du, 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 du flambant vieux. Voilà. Voilà. Et, et pour faire du flambant vieux, et, et, je, je, je voulais garder cette, cette, cet âge. En fait, on, a ouais. tous, on est autour de la soixantaine. Il y en a qui l'ont déjà, il y en a qui vont l'avoir. Comme moi. Et, et donc, gentiment, les, les, les garçons, c'est le de la prostate, ils nous ont gentiment pas trouvé de nom, euh, la fille et moi, parce qu'on est deux filles aussi. Mais euh, on attend avez... avec un peu d'impatience, le grand de la ménopause, je sais pas, un <laughs> truc de l'amour comme ça, quoi. Voilà, merci, bonsoir. <laughs> Qui a le mieux vieilli, vous ou le chat bah ça, c'est vous qui voulez le, le dire. Non, le je... chat, il a un peu évolué. Hein. C'est-à-dire oui. qu'il a grossi, c'est un peu empâté. Et moi, vous avez vu, je suis bah... resté ce type filiforme. Donc vous le faites de, de grossir et vous non. Exactement. Et pourquoi mais Parce que je ne sais pas, je me suis dit à un moment qu'une certaine rondeur lui donnait un côté plus sympathique, plus gourmand. Et, euh... et vous en veux Il aime vieillir, le chat ou... Mais il ne vieillit pas. Il ne bouge pas. Il me survivra, évidemment. Et ça, c'est le, le propre des héros et des personnages de fiction, c'est qu'ils ne meurent jamais. 91 ans Quoi <laughs> On pas prévenu. Mais je ne l'ai fait pas Ah, je vous le confirme. Dieu. Et surtout pas question de prendre votre retraite, parce que jouer ce ronchon là qu'on adore depuis 15 ans à la télé, c'est votre cure de jouvence. Je suis un peu ronchon, mais je suis surtout attiré par, par tout ce qui n'est pas ennuyeux. <laughs> Parce que je crois que le plus grand des drames humains, c'est l'ennui. En dehors d'un plateau, vous vous ennuyez, Judith euh, M'ennuyer, enfin, souvent, sauf si j'ai des amis qui viennent me voir. Mais c'est vrai que j'aime bien savoir que, que je vais aller au théâtre, et c'est quand même là où je me sens très bien. La scène, c'est quoi C'est un rempart à la mélancolie Rien ne peut faire rempart à la mélancolie, ni à la tristesse, ni à... Mais enfin, au moins pendant qu'on est sur scène, quand on a des amis qui viennent vous voir, qu'on retrouve après, qu'on boit un coup, ben bon, bon, c'est un bon rempart, d'accord. <laughs> vous étiez là, on l'a vu à l'affiche de Joyeuse retraite avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque, a eu un immense succès en France. Mais alors la retraite, il n'est pas question pour vous de la prendre. Ben écoutez, j'ai 97 ans, il serait un peu tard pour la prendre. <laughs> Ah, vous avez dépassé la limite. Ben, oui. Ah, euh, Donc c'est fini. Et puis vous n'êtes pas du genre à regarder dans le rétro, Judith. Pas du genre à vivre dans les souvenirs. Ben, non, parce que quand on pense aux bons souvenirs, ça vous fout le cafard. Quand on pense aux mauvais, ça vous fout le cafard aussi. Alors autant vivre dans le présent et s'abandonner à vivre dans le présent. Ah, oui. Et pas du genre à avoir des regrets non plus. À quoi ça sert À rien. Ben. Effectivement. <laughs> Le film est très drôle, mais il est très touchant aussi. C'est ça aussi qui a marqué sans doute le succès du premier film de Maison de Retraite. Il est très tendre aussi. Et dans le film, vos seigneurs cô côtoient des orphelins. Ce mélange de générations existe dans la vraie vie. Regardez cet extrait de reportage où une crèche, un EHPAD, euh, cohabitent dans le même établissement. Des sourires, des regards, des moments de vie. Ici, seigneurs et enfants vivent sous le même toit. Ça apporte de la lumière, ça apporte de la couleur, ça apporte la... du rire. Les, les rires qui font sont extraordinaires, les. <laughs> font vous avez rencontré des, des dizaines de soignants. Lorenzo existe déjà, on vient de l'évoquer. Euh, vous, euh, vous avez même été, dans des EHPAD pour, euh, Vous êtes même renseigné aussi sur la situation des EHPAD. Vous avez Bien lu sûr. lire le livre de Victor Castanet, mais évidemment. Dans, dans le dans le film, ce qui est important, c'est la transmission, la transmission entre les jeunes et les anciens aussi. Exactement, à la fin du premier film, on évoquait cette idée, cette idée de cohabitation. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que vous venez mmh. de montrer, je trouve ça formidable, mais l'idée est un, un tout petit peu différente. C'est des orphelins, oui. donc des enfants issus de foyers, comme il en existe encore malheureusement beaucoup, euh, donc des enfants sans famille qui attendent d'être adoptés pour la plupart, et puis évidemment euh, des, euh, des personnes âgées en situation d'isolement. Il en existe beaucoup plus qu'on peut croire, c'est-à-dire des gens qui ne reçoivent... Quasiment jamais de visite, ou alors euh, qui, qui, les, les seules relations entre guillemets qu'ils peuvent avoir, ce sont avec les aides-soignants et les auxiliaires de vie. Donc l'idée, c'est de mettre ces gens ensemble pour créer des familles artificielles. C'est l'idée qu'on qu proposait à la fin du film, c'est celle qu'on poursuit évidemment dans ce deuxième film. Euh avec beaucoup de plaisir, et je me suis renseigné, il y a des endroits comme ça qui existent réellement dans des pays comme le Danemark, comme le Canada. Ah oui. euh, alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir, hein. mais la nuance, c'est qu'ils ont vraiment, réellement besoin l'un de l'autre. Euh, ici, dans cette crèche ce qui est fantastique, c'est qu'on amène la joie de vivre, mais les enfants rentrent chez eux après. Euh, là, c'est une vraie famille artificielle qui est recréée au travers de ces endroits. Et oui, je pense qu'on a besoin d'endroits comme ça. Mais enfin. vous allez finir par être ministre non, mais je, oui. je, je, je lui dis. C'est ce vous avez <laughs> dit non, ils, vont, ils vont lui donner une médaille. Mais oui. Mais, oui, mais je ne oui, souhaite oui. pas. Moi, Parce je... que c'est une cause là que vous défendez. C'est une vraie cause, mais c'est en fait à la base ce qui est intéressant, c'est que moi j'écrivais pas ces films pour ça. Moi à la base j'écrivais ces films de manière très égoïste pour rendre hommage à mes grands-parents, dire on parle, pas, on parle pas suffisamment des vieux, on ne dit pas suffisamment à quel point être vieux c'est pas une honte, à quel point être vieux ça peut être cool, ça peut être fun, ça peut être pop, ça peut être drôle et émouvant. Et en fait quand on s'intéresse au sujet et quand on veut faire un film. Euh, on est obligé de rencontrer les gens qui le font vraiment on est obligé d'aller à la rencontre de ces gens-là et quand on va à la rencontre de ces gens-là on se rend compte qu'on a un vrai problème avec nos personnes âgées en France mmh. qui existe depuis longtemps mais qui n'a jamais été autant accentué que depuis le Covid euh, c'est très très grave de voir à quel point euh, on a de la solitude on a des gens qui disent enfin moi j'ai rencontré quand même des gens qui m'ont dit merci infiniment d'être venu <laughs> discuter avec moi une heure je dis mais comment ça merci infiniment c'est moi qui suis venu vous poser des questions c'est moi qui vous remercie c'est moi qui ai pris des notes de votre ouais. vie et ils me disent ça fait combien de temps que j'ai pas vu quelqu'un d'autre qu'un aide-soignant qui vient me voir ça vous vous brise le cœur si vous êtes un minimum humain. Il n'y a pas besoin de, de recevoir des médailles ou d'être ministre pour être sensible à ça. C'est ça que je veux dire. Et je pense qu'il faut euh, re sensibiliser aussi les gens au fait que la vieillesse n'est pas une honte, c'est pas une tare, et au contraire, c'est plutôt une célébration. Dans la vie, vous avez deux choix hein. soit vous vieillissez, soit vous mourrez jeune. Je vous souhaite à tous ici de, de, de vieillir très très vieux. C'est ça l'idée, c'est ce qu'on défend dans ce film. Bah ouais, bravo. C est c est non, arrêtez, ça me à la fin de cette histoire française, vous revenez sur votre âge. Vous dites que vous avez du mal à vous en convaincre, mais que vous êtes bien entré dans la vieillesse, vous en ressentez l'usure du corps. Et vous dites aussi que vous pensez à la maladie, à la souffrance, au délabrement physique et intellectuel, et vous reconnaissez en avoir peur. J'ai fait une très mauvaise blague, qui n'est pas du tout digne de M. Chamorro, là, quand j'ai fêté mon anniversaire le 15 août dernier, en disant que depuis quelque temps, les vinyles étaient revenus à la mode, donc les 78 voilà. <laughs> euros. C'est mon âge. Euh, bien sûr que les choses changent, que... Je cite cette, cette sentence un peu éculée. À mon âge, quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas de douleur, c'est qu'on est mort. Euh, donc mmh. j'ai des douleurs. <laughs> et, et, et je vois que je, je cours moins parce que j'ai des prothèses, parce que je ne fais pas de ski, euh, je fais du vélo, naturellement. Euh, je m'économise quand je marche. Voilà, c'est la vie qui va. Et il y a un moment où on se dit quand même que. Voilà, on regarde les statistiques. Hein, espérance de vie, qu'est-ce qui reste 5 ans, 10 ans c'est très long, disons, c'est très court. C'est terriblement court. Vous ne parlez pas que de politique dans ce documentaire, Macha, réalisé par Christian Spiro. Vous revenez sur toute votre carrière, Macha, votre vie, votre Long, 83, mon ami. Vous ne les faites pas, on vous l'a déjà dit. On oui, vous le mais dit, je suis pas d'accord. Je pense que je me suis améliorée. <laughs> mais non, mais sans blague, là, n'est pas une calamité, loin de là. On devient meilleur, on devient plus oui. intelligent, oh, vous êtes d'accord en fait. oh, ben, Évidemment, mais voilà. on devient sage. <laughs> mais, et euh... Ah non, sage, non. Ah. On devient plus fou. On ose, on ose. Vrai. On ose. Attention, attention, attention. <laughs> Être désiré, prendre des risques, avoir de l'audace, c'est tous les conseils que vous vous appliquez, parce que ça part de votre expérience dans ce livre, Quel bonheur de vieillir. Mais l'objectif principal, c'est de réaffirmer, parce que parfois on ne le dit pas assez, que c'est d'abord une chance de vieillir. Bah oui, alors surtout en ce moment où l'actualité est dramatique, où on voit un jeune professeur assassiné, où on voit des enfants pris en otage, décapités, enfin bon, on se dit que c'est vrai qu'à mon âge, être en vie et en forme, c'est déjà une chance. En plus, moi, j'ai perdu ma mère, à... j'avais 20 ans, elle en avait 44. Donc, je crois que j'ai appris à faire la part des choses très vite et à mesurer, à vivre dans l'instant présent. Parfois, c'est le travail d'une vie d'apprendre à vivre au présent. Euh, et moi, j'ai envie que ce présent. On... Vieillir, alors évidemment que c'est un paradoxe ce titre. Euh, quel bonheur de vieillir C'est un peu provoque. Je dis, un... mm. oh, ben, évidemment, on a des rides, on est moins bien physiquement, certes. Mais moi, je dis qu'on peut voir le verre à moitié plein et qu'on peut être acteur de. de, 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 de... De son vieillissement. On peut choisir, on peut euh, toujours garder les rênes de sa vie. Moi, c'est un peu mon leitmotiv. C'est-à-dire, euh, donc, rester en forme, faire attention à son alimentation, euh, faire du sport, euh, rester en lien avec les autres. Parce que c'est vrai que la retraite, c'est un moment où on aurait peut-être tendance à s'isoler, à se couper des autres et à se sentir inutile. Mais il y a des tas de moyens de rester en lien, de se sentir utile, en lien avec les autres, faire du bénévolat, par exemple. Mais tout ça, ça peut se gamberger en amont euh, plutôt que d'arriver et de subir quoi. Donc c'est un peu l'idée de ce livre. Euh, Pensez-y, imaginez comment vous voulez euh, passer votre quatrième âge, à quel endroit. Je suis très euh, séduite euh, par euh, euh, l'association du béguinage solidaire. Ces seniors qui choisissent... De vivre ensemble. Euh, de vivre ensemble en achetant un bien en commun. Chacun à son appartement, mais ils prévoient euh, des, des, des salles des médicalisées, des lieux, de des lieux de rencontre, des lieux où ils peuvent faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'on est, on est passé du lien interne, générationnel avec nos familles disloquées, les enfants travaillent loin, sont pas forcément avec, euh, avec les seniors, à un lien peut-être intragénérationnel, on s'entraide au sein de la même génération. Voilà, un... et je trouve que tout ça, ça mérite d'y penser en amont, plutôt que de subir et de laisser peut-être nos enfants devoir prendre des décisions qui sont douloureuses pour eux aussi. Quoi. La question de la fin de vie, vous l'abordez pudiquement à la fin de ces mémoires, en parlant de votre père en phase terminale d'un cancer, sans espoir de rémission, hurlant de douleur sur son lit d'hôpital. Vous vous questionnez, un fils peut-il avoir la cruauté de laisser continuer le supplice Je ne l'ai pas eu, pas plus que le médecin. Ça veut dire que la disparition de votre père vous a fait évoluer sur la question de la fin de vie je ne sais pas si j'ai véritablement évolué, parce que je parle aussi beaucoup dans ce livre de ma position vis-à-vis -vis de la religion. Hein. J'ai piqué à Jean Dormaisson cette formule du catholique agnostique, catholique parce que j'ai été élevé dans l'Église catholique. J'en connais les fautes, les crimes au fil des, des siècles et des millénaires, mais je sais aussi qu'elle est porteuse d'un message qui est extraordinairement révolutionnaire. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain. C'est une révolution morale euh, et, et qui reste actuelle. Euh, mais en même temps, euh, agnostique, parce que je ne sais pas. J'admire ceux qui savent, qui ont reçu la grâce, et puis ceux qui savent qu'il n'y a rien. Euh, entre les deux, je cherche. Et, et, et comme je le disais, j'ai plus beaucoup de temps pour trouver. Euh, voilà ce qui, est, ce qui est important dans la vie à un moment donné. Et c'est pour ça que je suis très prudent sur, sur la fin de vie, parce que j'ai encore cette culture euh, qui me fait dire que est ce qu'on peut disposer de la vie de l'homme, euh, quand on est médecin, quand on est euh, euh, responsable politique, donc voilà, je ne veux pas me prononcer parce que peut-être que le Conseil constitutionnel aura l'occasion d'examiner le. Et vous racontez la, comment la, vous avez évolué sur le mariage pour tous, par exemple. Oui, là, sur le mariage pour tous, j'ai évolué. Moi, je, euh, je suis assez libéral en termes de mœurs. Un de mes meilleurs amis m'a raconté le calvaire qu'a été dans sa vie euh, la reconnaissance de son, son homosexualité, la façon dont sa famille l'a rejeté. Et, et c'est pour ça que vis-à-vis -vis de l'homosexualité, j'ai toujours eu compréhension et respect. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout conservateur ou rétrograde dans ces domaines-là. En revanche, euh, bon, le genre, euh, substitué au sexe, euh, du mal, du mal à comprendre. Mm. Euh, le wokisme en particulier. Donc, oui, vous êtes euh, très agacé contre je, le wokisme. c'est oui, quand même une, une dérive intellectuelle euh, gravissime qui est en train d'atteindre nos, nos universités. Hein, euh, si, sur le genre, sur... Euh, euh, le racisme euh, sur euh, le respect dû à la vérité scientifique. Il n'y a plus de vérité scientifique. Il n'y a plus que des vérités relatives. Non, il faut en revenir quand même à quelque chose d'un peu plus solide. Et pour moi, c'est extrêmement important. Mais voilà, la fin de vie, on en discutera dans le débat public dans les dans les mois qui viennent. C'est un sujet sur lequel je me réjouis de voir quand même que Là, l'outrance, l'hystérie n'a pas sa place. Il y a un vrai dialogue, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie confrontation des points de vue qui sont tous respectables. J'espère qu'on continuera dans cette voie en matière de bioéthique sur la recherche sinon d'un consensus, du moins de quelque chose qui ne clive pas la société. – C'est un sujet qui a été complètement oublié lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, la fin de vie et l'aide active à mourir. – Oubli volontaire, nouvelle procrastination présidentielle, on ne sait pas, en tout cas, silence troublant, mardi soir à propos de ce qui devait être la grande loi sociétale du quinquennat, pas un mot, pas de question non plus, il est vrai que le 20 décembre, c'est à vous, Emmanuel Macron disait assumer, de prendre le temps. Et c'est effectivement le cas. On résume, à septembre 2022, le président lance un débat national sur la fin de vie. Décembre, il y a un peu plus d'un an, la Convention citoyenne débute ses travaux. Avril, les 184 citoyens rendent leur conclusion. C'est un oui majoritaire, aux trois quarts, en faveur de l'ouverture d'une aide active à mourir, combinant suicide assisté et euthanasie. Emmanuel Macron leur promet alors un projet de loi. Avant la fin de l'été, juillet, la promesse d'une loi imminente est renouvelée par les deux ministres chargés du dossier, Agnès firmin Lebodo et Olivier Véran. Mais l'entourage de la première parle du mois de décembre. Novembre, le président annonce une loi de liberté et de respect, mais pas de date. 6 décembre, ce sera début 2024. 20 décembre, ce sera en février, mais après le déploiement en janvier d'un plan sur les soins palliatifs. Janvier arrive, les deux ministres sortent, Agnès firmin lebodo et Olivier Véran ne font plus partie du gouvernement. Voici quatre votre Inquiétude Des partisans de l'euthanasie. Il y a 20 ans, lors du premier vote de la loi Leonetti, cette ex-RPR avait dit qu'elle était opposée à toute évolution vers une aide à mourir. Ce n'est plus le cas, affirme-t-elle. Évidemment que nous devrons légiférer d'une main tremblante parce que sur des sujets aussi importants que celui-là, comme le disait Montesquieu, il faut être extrêmement vigilant. Pour autant, personnellement, je n'ai pas de difficultés. Notre société a évolué. Nous devons accompagner ces évolutions avec prudence, bien évidemment évidemment, là encore, avec dialogue et respect. Donc pas d'opposition de principe, mais on ne sait pas, toujours pas combien de temps va continuer la main va continuer de trembler. Pourquoi ça coince Il y a deux lectures, deux raisons d'ailleurs pas contradictoires. Un, les réticences personnelles d'Emmanuel Macron, c'est ce que semblent penser les 80 citoyens ex-membres de la convention qui lui ont écrit le mois dernier. Monsieur le président, votre avis sur l'aide à mourir ne saurait être l'unique boussole en la matière. Deux, les oppositions puissantes et résolues des responsables religieux et de plus plusieurs associations de soignants, notamment dans le milieu des soins palliatifs, opposition pourtant largement minoritaire dans l'opinion. Parce que les Français sont très favorables à une évolution de la loi Selon la façon dont la question est posée, c'est entre 70 et 90 Un dernier sondage réalisé par l'IFOP fin mars 2023 insistait sur l'ambivalence des Français parce qu'ils étaient 70 a approuvé la proposition de la Convention citoyenne, mais seulement 36% a envisagé un recours à l'euthanasie. Mais 36%, c'est considérable. On a compté 630 000 disparus l'an dernier en France. Combien ont eu la chance d'avoir, comme on disait parfois, une belle mort, avec des adieux en conscience et sans souffrance Connaissez-vous une famille où la fin de vie d'un proche n'est pas posée question après une agonie insupportable et interminable, qui n'a jamais pensé face à telle ou telle situation qu'il y aurait sans doute moyen de mourir un peu moins mal. Dans les très belles pages que vous consacrez à ces questions, Alain Finkielkraut, vous saluez la dérision de Michel Houellebecq, notre grand écrivain indigne à l'idée de mourir dans la dignité, mais vous répliquez à son opposition à l'euthanasie par votre désir d'être vivant jusqu'à la mort. Ricoeur, par votre choix du néant plutôt que du rien, le néant de la mort plutôt que le rien de la vie sans conscience. Et puisque vous pêchez les perles, les citations qui vous inspirent, je vous soumets celle-ci, elle est anonyme, je sais seulement qu'elle a été prononcée par un citoyen lors des auditions de la Commission nationale sur la fin de vie. Ce ne sont pas les vivants qui ferment les yeux des mourants, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Et disant cela, je pense avec une. Une affection infinie à une amie proche qui veille depuis des mois son père mourant dans une épreuve épouvantable. C'est ce qui vous fait dire, Alain Finkelkraut, que refuser le droit à mourir à ceux qui le souhaitent, c'est une forme de cruauté. Oui, mais je me trouve ici dans une situation paradoxale. D'abord, la main tremblante, je comprends très bien. Il faut hésiter, c'est une question extrêmement délicate, mais surtout, ce qui m'obsède, n'est pas prise en compte par le projet de loi. C'est-à-dire C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui maintenant ont plus peur de la fin de vie que de la fin de la vie. Je crois que la mort a le dernier mot. Et étant donné mon âge, cela m'angoisse. L'idée d'une vie éternelle m'est totalement étrangère. Mais je constate que la médecine, a fait beaucoup de, beaucoup de progrès, le corps est un appareil, tout est remplacé sauf le cerveau. Et donc, il y a de plus en plus, c'est une euh, neurologue qui l'a dit, Anne Norbock, de non dément. Autrement dit, la maladie d'Alzheimer, la maladie de PIC, toutes les démences séniles sont très fréquentes. Et ça, la loi ne s'en occupe pas. Or, un, 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 une période très longue se passe. Entre le moment du diagnostic et disons la démence finale, euh, Resvani a dit à propos, a, par, a parlé à propos de sa femme, qui aimait tant et qui était atteinte de la maladie de mère, et, 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 et il a parlé de l'immense chagrin de ce de se savoir en, en, en état de détérioration totale et ce chagrin est terrible. Et donc il y a des gens atteints d'Alzheimer qui se tournent vers le médecin qui disent Fais quelque chose pour moi." Et là, je n'aime pas en effet que l'on se drape dans le, le point » ou dans le serment d'Hippocrate pour refuser l'aide à mourir quand on est impuissant à guérir. C'est une curiosité, c'est une cruauté si vous voulez qui se qui se fait prendre pour de la miséricorde. Et ça, 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 je trouve cela effectivement insupportable. Mais encore une fois, la loi ne s'occupe pas de ces cas-là. Oui, pour l'instant, on n'a pas, pas en le fait. détail, mais la loi, ça a été dit dans plusieurs déclarations, prévoit effectivement de s'intéresser à des cas de souffrance euh, incurable, oui, ça, de souffrance incurable. Voilà, de maladie incurable et de souffrance oui. incurable. Et vous, le voudriez, cas de la vous voudriez, vous, qu'on élargisse en quelque bah, sorte je le sais champ pas. de, bah, de l'aide à mourir. Je me dis. La souffrance incurable. Si il y a des soins palliatifs et que la souffrance est allégée, pourquoi pas Un De maladies incurables. Et je suis d'accord avec vous, il faut retrouver un certain savoir-mourir, mourir avec ses proches, mmh. leur dire adieu. C'est d'ailleurs le sujet de ce film merveilleux de Denis Arcan, Les Invasions barbares. Mmh. Et, et L'homme est lui effectivement atteint d'une maladie incurable, et donc il réunit tous les siens, et une très jolie infirmière d'ailleurs lui fait la, 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 la lecture finale, et il dit adieu, moi je voudrais retrouver ça plutôt que les agonies interminables et de souffrances. Comme mais dans le moribond de Jacques Brel. Voilà. Peut-être est-ce possible dans les soins palliatifs, je n'en sais rien. Mais toutes les maladies dont je parle, et en effet qui me hantent, dont l'idée me hante, ne sont pas prises en compte par ce projet. -là. Pour l'instant. Force m'est de le constater. Mais est-ce qu'il est normal d'attendre la décision d'un homme, même s'il si est président de la République, pour avancer sur cette question non, peut-être pas, peut-être pas, mais de toute façon, si vous voulez, Même il y, si y, faut y aura. Avoir la main qui tremble. Est-ce qu'il faut qu'elle tremble encore longtemps Oui. Enfin, non, il faudra sans doute prendre une décision, mais il faudra prendre aussi beaucoup de précautions. J'ai lu dans le journal. of bioethics, que euh, euh, il fallait que les gens, euh, effectivement, euh, euh, qui n'ont plus, euh, plus leur capacité, acceptent euh, de mourir parce qu'ils peuvent devenir un fardeau économique et émo émotionnel pour leurs proches. et il est vrai que dans une société où euh, les, les, si vous voulez, les, les, les dépenses médicales sont de plus en plus fortes, euh, les médecins peuvent être incités, si vous voulez, à débarrasser le monde de ces malades toujours plus nombreux et toujours plus coûteux. Donc il faut être très attentif. Donc, la main ne doit pas trembler, mais les excès sont possibles. Et je vous le répète, le cas. Le plus, le plus angoissant n'est pour le moment pas pris en compte sur le plateau de cet vous, l'écrivain sylvain tesson a évoqué la mémoire de son père philippe mathieu chédid celle de sa grand-mère André, la déclaration d'amour de jodie foster et danny boone à leurs fils respectifs ou encore l'hommage de mireille dumas à sa mère féministe avant l'heure. Votre famille, Mireille, elle en dit long sur vous, sur votre parcours Bien sûr, bien entendu. Vous voulez que je vous raconte mon enfance bah, Votre père <laughs> qui disparaît, vous avez oui, 3 bien ans, sûr. votre mère 3... qui vous élève seule. Oui, et... seule avec euh, cinq frères et sœurs. Et surtout, ma mère est mon institutrice et elle fait fonction de, de père, de mère elle devient une amie, une sœur. Mais surtout, j'ai grandi dans ce huis clos. Euh, dans, une, euh, dans une cour d'école, on ouvrait une porte. D'un côté, elle était ma mère, de l'autre côté, mon, mon institutrice. Et j'avais le sentiment de, comme c'était un petit village, avec un mur. Face à l'école, c'est fort. Donc j'avais ce, cette envie d'aller très jeune, très tôt devant des autres. Votre mère qui était féministe avant l'heure, elle défendait le droit à disposer de son propre corps en faveur de l'avortement, du droit à mourir dans la dignité. C'est aussi grâce à elle okay. que vous avez traité avant tout le monde de tous ces sujets qui étaient tabous à la télévision. C'est vrai. Euh, comme institutrice, elle, elle parlait sans aucun tabou de toutes ces choses. Et je me rappelle euh, une petite fille qui avait été euh, violée par, par son père, on ne le savait pas. Et les gendarmes sont venus dans l'école, j'étais très jeune puisque c'est la primaire, et, et, et sont venus la chercher. Et à ce moment, c'était très très fort pour nous tous. Et elle nous a expliqué ce qui se passait. Et elle avait les mots pour dire... Et ce que je veux justement souligner, c'est que de tout ça, elle en parlait, donc elle a fait de moi la citoyenne que je suis, même journaliste engagée dans ce sens. Pour autant, on ne parlait pas des sentiments. Justement, des choses euh, intimes euh, ne, se, ne se disaient pas vraiment euh, euh, à la maison. Par exemple, la mort de mon père. Enfin, je, je sais que mon père, je l'ai cherché très longtemps, euh, même au grenier. J'étais une petite fille, je pensais qu'il se cachait. Là, je ne savais pas ce que c'était que la mort à trois ans et demi. Euh, J'ai des souvenirs de moi un peu plus âgés, comme ça je le cherchais. Et je n'en parlais pas parce que j'avais le sentiment que ça allait lui faire de la peine. Et on n'en parlait pas. En fait, ces, ces blessures-là euh, restaient euh, cachées. Des choses donc euh, vous n'aviez, qu'on ne savait pas sur vous, que vous n'aviez pas raconté. Votre père, euh, beau gosse, au de James Dean, que votre mère a foutu dehors parce qu'il buvait trop. On voit une photo. Il en est mort en 84. Il a une bonne tronche. Ouais, 54 ouais. ans. Le mec. Et vous expliquez que cette absence de, de votre père, vous en avez souffert, notamment euh, euh, avec vos amis, vos copains, retour de week-end, parce qu'ils avaient des trucs à à raconter de ce qu'ils avaient fait avec vos... Ben non, c'est-à-dire que même, vous... même avant de partir, il n'était mmh. pas souvent euh, là avec moi, mais j'ai deux souvenirs. Je suis allé voir un match Boutiémonzon où il m'a emmené à oui. Colombe, mais où on avait des billets à deux balles, et on, était, donc on, avait, on avait deux petits trucs noirs qui couraient sur un ring. Et une fois, il m'avait emmené à la chasse parce qu'il chassait, et euh, où j'ai passé donc deux, deux journées, avec, et le retour avait été chaud d'ailleurs, parce qu'on a failli se foutre en l'air, j'ai compris il y a plusieurs années. Après pourquoi C'est que mmh. l'après-chasse avait été un peu euh, levé de coude. Donc oui, il était alcoolodépendant et et, euh, et c'est très triste cette maladie. C'est très triste. Et donc je, quand j'étais jeune, quand j'étais avec des copains dans la rue, on voyait un type qui titubait ou machin, et puis ouais, il, ouais il c'est marrant de ça. Non en fait. Euh, c'est pour ça que maintenant je dis, d'abord je, je, je dis qu'il faut pas dire alcoolique si on va parler à quelqu'un en disant dis non tu seras pas alcoolique parce que c'est blessant. En revanche c'est Dis-donc, si par hasard, tu penses que tu as une dépendance avec l'alcool, l'alcoolodépendant, on pourrait peut-être en parler et tout, parce que ce sont des gens qui ont besoin d'aide, parce que c'est une maladie de merde, dont on ne se sort pas tout seul comme ça, à moins d'être un mutant, et que ne faut pas rigoler avec ça, voilà. Et que je vois, par exemple, euh, les budgets de services d'addictos euh, qui, 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 qui sortent du système de l'alcoolodépendance des milliers de gens, c'est-à-dire que c'est la vie des milliers de femmes battues, d'accidents de voiture, etc., etc. Et on réduit chaque année les budgets de services d'addictologie. C'est un truc de ouf, je ne comprends pas. Mais vous, vous avez toujours fait attention avec le souvenir de votre. De votre bah moi, j'ai fait toujours attention à ne pas mourir. Ah oui. Donc, euh, bah, vous savez, il y a des. Et pas seulement y a des. Je ne parlais pas de ça. Hein. Ah bon. non, non, mais il y a des atavismes, vous savez, ce n'est pas, pas nouveau. Donc. Euh, j'avais un père euh, qui, me, qui, qui se mettait sur l'aile. C'est quelque chose qui a pu éventuellement m'effleurer l'esprit pour d'autres raisons. C'est des fuites de quelque chose. Euh, mais j'ai serré les faits jusqu'à <coughs> jusqu un certain âge pour passer la, la, la barrière. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré plein de gens qui ont perdu des, des parents jeunes et qui ont cette angoisse d'arriver au moins jusqu'à cet âge-là. Et moi en plus, je me suis gouré. Bon, Alors, je qu pensais qu'il était mort ouais. à 52. Et en fait, un jour, ma fille m'a dit Mais il est mort à quel âge Donc j'ai calculé pendant deux heures. Et j'ai dit Il est mort à 54. Donc je, je m'en suis remis pour deux ans de, 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 de. Voilà. Enfin, visiblement, là, vous voyez, vu mon âge, j'ai passé. J'ai passé. passé. Niels, c'est à votre père, à Jean-Paul, que vous devez votre vocation. C'est lui qui vous a transmis le, le virus artistique à vous et vos trois frères, Volodia, qui est musicien. Et euh, comédiens, Alyosha et Vassili, euh, tous comédiens, toute la famille euh, a choisi, euh, a choisi le, le virus du cinéma. On vous voit d'ailleurs tous les quatre réunis euh, pour le magazine Vanity Fair, c'était au mois de juin. Elle est très belle cette photo, Nice. Il y aura un peu une pub de Kellogg's, quoi, quand même. Wow. <laughs> en plus une grande marque de, de, céréales céréales que de céréales, quand même, la pub. Non, mais il y a une très jolie phrase que vous avez sur votre père, Nils. Vous dites il nous a fait sentir que les choses étaient possibles à défaut d'être toujours faciles. Oui, 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 Moi, je veux dire, j'étais un enfant qui avait très peu confiance en lui et il m'a donné confiance, c'est vrai que c'était une grande chance d'être de, de, né dans cette, dans cette famille avec un père qui, euh, qui est passionné par, euh, par le cinéma, par le théâtre, qui avait cette ouverture, cette fibre artistique, ma mère aussi, ma mère... Euh, qui, qui, a, qui a cette fibre artistique et ça c'est de la pure euh, coïncidence c'est de la pure chance d'être né dans cette euh, famille-là mon père avait un vidéoclub quand, quand j'étais petit euh, je, tout, tous les jours euh, en sortant de l'école j'allais dans ce vidéoclub c'est là dans ce sous-sol-là que j'ai découvert euh, un tas de films euh, d'auteurs que c'était des réalisateurs qui, qui fabriquaient ces films-là que j'ai découvert euh, Vincent de Cronenberg que j'ai découvert Woody Allen donc euh, ça c'est de, euh, de la pure chance Sylvain Tesson depuis votre dernier passage sur ce plateau votre père Philippe Tesson, l'homme de théâtre, l'homme de culture, le journaliste, nous a quittés. Euh, il est parti à 94 ans, il y aura un an le 1er février prochain. Vous avez fait peu de plateaux ensemble, mais vous aviez fait une exception pour Anne-Élisabeth qui présentait ses ce jour-là, et vous lui aviez expliqué, avec vos deux sourires en coin, tous deux ce que vous aviez en commun l'amour du bon mot mais la détestation de ceux qui ne font que se payer de mots voilà alors ça ils, ils nous ont appris ça finalement ça a été le seul principe de cette éducation oh, c'est qu'on n'écoute pas on n'écoute pas les gens qui se qui se réfugient derrière les mots derrière la vertu derrière la bonne conscience la et qui et qui ensuite oui qui ne conforment pas leurs leurs, leurs actions c'est vrai qu'on a ça en commun mais d'autres choses aussi L esprit de liberté le sens critique euh, et puis bah, ils me reprochent d'avoir des, des comportements théâtraux mais alors là j mieux vous dire que lui, il est constamment dans la posture quand il fait ses singeries à 6000 mètres d'altitude. Euh, voilà. Oui, ce n'est pas le même décor, en fait. <laughs> On pas le même décorateur. <laughs> On voit dans cet extrait à quel point vous aimiez vous, vous taquiner euh, avec vos deux regards. Vous dites qu'il vous a appris la politesse et la joie, deux qualités clés. Oui, la il, il m'a appris la, la. et même la politesse de la, de joie, la joie, la politesse de la gaieté. Il m'a appris ça. Il m'a appris le, un, le, une certaine tendresse du regard, malgré de temps en temps la capacité de décocher des flèches et de vivre <laughs> avec un fleuret moucheté à la main. D'ailleurs, il s'appelait Tesson. Euh, ça tranche le eh Tesson. Oui. Et puis, il m'a appris ce goût éperdu pour la liberté, pour la fantaisie, pour l'affranchissement et pour une espèce de certaine euh, spontanéité. Euh, puis il avait des yeux. C'est un peu une histoire de père. Enfin, Peut-être peut vous, vous souvenez-vous du, du, du vôtre euh, euh, au moment où vous voyez le mien, parce qu'il mmh. partageait ceci, qu'ils avaient des yeux, mmh. que do, dont vous, vous avez été l'héritière. Vous avez ce regard qui était le regard du nord. Hein. Il venait de la Picardie. Et il avait ces yeux qui étaient parfois très foudroyants, mais qui étaient pleins de tendresse. Comme la mer. Il savait pas nager. Mais il avait une espèce de, de grand regard euh, océanique. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que votre première égérie, en tout cas votre première muse, c'était votre mère qui était une passionnée de mode Ah oui, puis elle l'est toujours. Et puis euh, elle, est, elle aime la mode. Et puis elle aime... Euh, euh, je crois qu'il y avait un, un sens de l'élégance. Il y a un sens de l'élégance chez ma maman qui a toujours existé. Donc évidemment, grandir euh, à ses côtés et la regarder, tout simplement, ça m'a beaucoup inspiré, c'est sûr. Les mères sont toutes forcément envahissantes et j'ai l'impression quand même que quand on est une fille et qu'on a une mère, on se retrouve à un moment donné à devoir se, se séparer, en tout cas couper une sorte de cordon, et donc de s'opposer à la vision que la mère avait de, euh, pour nous, et qui était une, une sorte de continuité de, 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 de son tracé à, à elle. Donc forcément, il y a une déchirure, une trahison, qui, un ressenti de trahison. Je pense que toutes les mères n'ont pas de projet pour leur fille non plus. Oui. C'est quand tu as un projet, en fait. Et que donc, ayant un projet, tu mets une pression, tu mets un enjeu sur la relation. Je serais fier de toi. Je te si. reconnaîtrais d'autant plus comme ma fille si tu exerces, tu, tu exauces le projet que j'ai pour toi, même si c'est un bon projet. Doit-on avoir un projet pour ses enfants C'est ça la vraie question. Mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que ça fait. Écho, quand Isabelle Brocard vous a proposé le rôle, vous vous êtes dit Ah tiens. Ça me rappelle quelque chose avec ma fille. C'est un ouais, peu tendu en ce non. moment. Ah non non, c'était pas du tout un peu tendu en ce moment. Ça a été un cauchemar. <laughs> ça a été un cauchemar relationnel. Ça a été une relation qui, en même temps, dont je lui gré aujourd'hui, parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Mais ça a été de longues années de relations extrêmement difficiles, très toxiques, à laquelle j'ai participé en n'en ayant pas du tout conscience. Enfin. Voilà, en ne sachant pas quoi faire, en étant de très bonne volonté. Et finalement, je, je, je la remercie plusieurs années après, puisque maintenant, évidemment, c'est très apaisé. Mais ça a duré, ça a été très violent. La famille, c'est aussi très important pour euh, Gad, euh, notamment votre mère qui est omniprésente dans votre vie. Qui était un peu déçue parce qu'elle n'apparaissait pas dans la liste des nommés au César. <laughs> pour le film Reste un peu, vous étiez venu nous en parler. Oui, j'ai trouvé ça très touchant et très juste, c'est très vrai. C'est la seule actrice qui l'a dit haut et fort. Pourquoi <laughs> ne suis-je pas nommé au César et je elle, a, elle a tourné dans mon film et elle m'a dit euh, « Qui de mieux que ta mère pour jouer le rôle de ta mère Pourquoi ils ne m'ont pas nommé ?» et Donc j'ai trouvé ça très touchant et très beau et je leur envoie un message d'amour. Je sais qu'ils nous regardent ce soir et de faire un film avec mes parents, ça a été euh, au-delà de faire le film, passer du temps avec eux, les mettre en scène. Les regarder, les filmer, les aimer encore plus, et passer du temps ensemble, quoi. Yvette, 94 ans, c'est votre maman, votre plus grande fan. Euh, elle a vu le film Je crois Non, pas encore. Elle conserve en tout cas toutes les photos, tous les articles, les, les récompenses qu'elle récupère au fil des années. Et elle a même votre César que vous avez remporté en 1990, du meilleur espoir masculin pour un monde sans pétier. Est-ce que c'est vrai qu'elle l'a fait plastifier <laughs> ah, J'ai enlevé. Pour ça ça, ça, ça m'a agacé. Ça, elle l'a mis sous vide. Et pour bien <laughs> le conserver, pour ne pas l'animer. Ex exactement, parce que elle, elle nettoyait le César tous les jours, quoi. Hein et au bout d'un moment, elle en a eu marre, donc elle l'a mis sous vide. Et un jour, j'étais chez mes parents comme ça et je regarde ce César. Je sais pas, il a une drôle de. Je m'approche, il était sous vide. Il y a une... <laughs> donc là maintenant, elle doit l'épouster à nouveau tous les jours. Ah, J'ai enlevé le truc et maintenant elle s'en fout. Elle s'en fout. Je l'embrasse, je t'embrasse, maman. La question que pose ce film et qui nous concerne tous, c'est notre responsabilité. Que se passe-t-il quand ceux qu'on aime euh, sont. Vulnérable et, et comment est-ce qu'on est un bon fils En tout cas, c'est la question que se pose votre personnage, tout en voulant continuer à mener sa vie, comment il, il est un bon fils Ben bah oui, bien sûr, et c'est quelque chose. Enfin, au-delà de, de, de cette maladie euh, en particulier, euh, enfin, je pense qu'on est tous amenés à un moment aussi à vivre des cas de figure comme ça. Enfin, moi, je vois mes parents qui ont, ma grand-mère a été atteinte d'Alzheimer et ils ont dû la placer dans un EHPAD et en fait, ça arrive à Beaucoup beaucoup de gens en fait. Et le moment où on doit être le parent de son parent, c'est c'est un, une étape de vie qui est complexe, je pense. Une autre star est venue s'ajouter à ce casting magnifique. C'est vrai. Enrico Macias. comme l'une de vos grand-mères est fan d'Enrico, vous aviez fait à grand-maman un cadeau pour ses 80 ans. C'est vrai. <sweird> 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 le Ah c'est joli. C'est après maternelle. que vous l'avez proposé. C'est ma grand-mère maternelle. Euh, ouais. C'est après, après que vous avez proposé à Enrico. Exactement. C'est vrai. C'est une histoire marrante d'ailleurs parce que je lui dis mamie qu'est-ce que tu veux pour tes 80 ans C'était ses 80 ans et elle me dit je rêve de retourner au concert d'Enrico Macias. Euh, J'y étais il y a 40 ans avec ton grand-père et là je veux y retourner absolument pour mes 80 ans. Et je connais un petit peu le petit-fils d'Enrico qui s'appelle Simon qui est un chanteur de talent et je lui dis est-ce que tu crois j'ai une idée un peu folle est-ce que tu crois qu'il pourrait venir lui carrément à l'anniversaire chanter pour elle ce serait fou elle hallucinerait complètement. Euh, c'est une femme pour qui j'ai un, un profond respect, qui a eu, affronté beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et donc, c'était important pour moi qu'elle voilà, qu vive ses 80 ans d'une manière spéciale. Et il l'a fait avec toute la générosité du monde. Le, ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est qu'il aurait très bien pu me demander de l'argent, hein, puisqu'on n'est pas amis avec Henri c'est une prestation. Mm. Et, et, et évidemment, il l'a fait gracieusement. Et ma grand-mère m'a dit Mais chérie, ça a dû te coûter une fortune. Et j'ai dit Mamie, si tu savais. <laughs> Au musée Grévin où vous êtes, euh, à côté de la statue, un fax. C'est oui. un original d'un texte faxé par votre grand-mère, oui. André Chévide. Oui, complètement. À l'époque où je l'avais appelé pendant une émission de radio, et on m'avait demandé de lui poser une question, je lui avais proposé de me faire une chanson. Elle m'a demandé le thème, je lui ai dit la lettre M, et elle m'a faxé. Elle est rentrée chez elle, et deux heures plus tard, elle m'a faxé la chanson Jeudi M, qu'on a faite ensemble. Incroyable. Et effectivement, retrouvé, on a retrouvé le fax d'origine qu'on a, qu a mis à côté de cette statue. C'est important pour moi de célébrer. Ben déjà, j'ai mis la guitare qui est au nom de ma fille Billy. Et puisque je suis un amoureux de la transmission, je, je trouvais ça très joli de regarder un poème de ma grand-mère avec ma, la guitare de ma fille euh, entre ah. les mains. Arnaud, Jérémy, là, ça va être le moment tension. Je ah. vais vous rendre jaloux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais, euh, mais Baptiste travaille avec un autre trio actuellement. Regardez. Quoi Quoi Bon, les filles, j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est quoi cette coupe de cheveux Quoi T'as pas en fait, tes cheveux, ils sont moches. Quoi Donc le spectacle Voir les gens, que j'ai écrit avec Florent, il va être disponible sur Prime Vidéo. Elles sont pas toutes bien, les blagues, dans le spectacle Non. non. Faudrait peut-être changer de co-auteur. Et oh, mollo là, ça va Bah, Florent, tes blagues elles sont pas très drôles. Et vous parlez bien de Florent, d'accord C'est mon collègue. Pourquoi vous vous ressemblez On se ressemble pas Bon, non, je crois pas. Bah, si ton sosie, mais en plus gros, tu vois. Et oh, ça va la grossophobie là avec vos masques là As White Shot Elles ont vu As White Shot Non, je suis pas sûr. Bon, As White Shot, c'est comme la patte patrouille, sauf que la patte patrouille elle se bouffe le dos. Bah, 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 Eh, vous pouvez dire bonjour à Florent, non Non. Pourquoi Je parle pas aux inconnus en fait. Bah, moi je suis pas un inconnu, je suis pas Pascal Ejectibus punchline punchline perso j'ai pas la ref nous perso à cet avoue on a une passion pour euh, les filles de, de Baptiste ah, oui. elles, elles, sont, souffle... elles sont devant la télé là. ah bon ah ouais oui, oui, elles, elles sont assez exceptionnelles elles vous ont soufflé quelques vannes parce que oui, a punchline sur punchline oui oui euh, la grande en a sorti des, des très très bonnes et la petite aussi euh, non non mais j'ai deux filles adorables elles m'ont redemandé de faire une vidéo je n'en ferai plus ah, après oui. je vais arrêter euh, on on a une idée. Ah bon Oui, non Oh là là, mais il y a trop d'idées On a une petite idée. Pour le spectacle. Pour le spectacle. On aime beaucoup ces filles. Elles sont venues d'ailleurs en vacances. Elles étaient en vacances avec nous. Et la grande me préfère à son père, donc moi je ne peux que l'aimer. Et mon fils a rencontré les filles de Baptiste. Et j'embrasse mon fils qui nous regarde également. Jérémy, tu as des enfants Non. Pourquoi Parce que les vôtres me préfèrent à vous. Est-ce que vraiment vous avez menti à vos fils qui ne savaient pas que vous étiez actrice, qui ne comprenaient pas exactement quel était votre métier Vous l'emmeniez sur des, je crois le, le premier quand il oui. était tout jeune sur des plateaux de tournage et il pensait que vous étiez ouvrière dans le bâtiment vraiment Oui, en enfin, fait je, je l'aurais pas menti, c'est juste que j'ai oublié de leur dire. <laughs> et euh, alors une fois, il, il devait avoir trois ans parce que j'étais enceinte avec l'autre, alors il avait trois ans Charlie. Et je l'ai amené sur le plateau de Panic Room. Et tout était un peu bordélique sur le plateau. Il y avait des choses partout. Et je lui ai donné un, un petit une, un, un, un truc pour les ouvriers, une petite ceinture avec, des, avec un marteau et des trucs comme ça, en plastique. Et il a décidé que moi, j'étais ouvrière. Voilà, <laughs> que je faisais des bâtiments. Et ouais. puis, comme j'ai rien dit, euh, il a gardé ça comme idée euh, pendant. Pas mal, d'années. Ah ben voilà. Donc c'est, oui, c'est pas un mensonge, exactement. Non, pas vraiment. C'est une, une omission. Dany, on était scotché et ému euh, l'autre jour sur le plateau de C'est à vous ici même, parce qu'on a reçu un jeune homme. C'était votre portrait craché. Regardez. Est-ce que Daniel, vous cherchez des ressemblances avec Dany comme nous, on cherche des ressemblances Il n'y oh, a, a pas à chercher. On trouve tout <laughs> tout <de suite. rire> La première fois, j'ai tourné avec votre père. Euh, il était, euh, il était il était y a longtemps et il était comme ça c'est vrai <laughs> oui, 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 oui oui bah regardez aussi jeune que ça ah, oui j'ai oui. 24 ans oui oui mais il faisait très jeune encore <laughs> oui j'avais fait mon meilleur ami la ressemblance ah, oui, oui, est, est dingo Là, ouais, ouais, euh, oui, oui, oui. Il est brillant. Ouais. Il fait des études littéraires. Hein. Il est à NYU à, à New York. C'est une tête. Je veux dire, s'il me ressemble pas. S'il me ressemblait pas, je me dirais tiens, c'est sûr que c'est mon fils. <laughs> mais, donc il a, il a, et il a un talent fou avec ah, son oui. groupe Faux Amis. Et euh, il écrit des chansons incroyables. Il a arrêté en fait pendant un an. Il a fait une école de jazz, de, de guitare et de chant. Et euh, voilà avec son Richard, son Et vous, vous jouez du piano. Et mon grand fils aussi m'a dit euh, hein joue de ah la basse ouais. avec voilà. Il y a trois voix particulières dans la chanson Amour. On peut entendre Rita, ouais. six ans, qui ouvre, qui ouvre l'album. Tu... Ouais. Nina hum. et ensuite euh, Pio. Et on peut les entendre aussi parce qu'ils sont au début de cette, cette musique. Et surtout pour vous, c'était important de faire participer toute votre famille. C'est important de travailler ensemble. Parce que je vis, euh, c'est un peu un kibouz bobo. Euh, y a mon, mon frère qui est là, il y a mes enfants, il y a mes amis. Donc, euh, je fais, j'ai mon studio donc chez moi, je fais ma musique, je mets un poulet dans le four, je, fais je un mets masser. un minuteur, je vais jouer ma guitare, je vais chercher le poulet. Euh, ah. Donc, tout ça, il euh, y a les enfants, ma fille qui fait une fête, à telle heure, elle vient avec tous ses potes, je ne je les connais pas, je fais venir tous ces gamins avec une énergie de dingue dans le studio. J'ai besoin de cœur. Bon, ils me font des cœurs de Et ils repartent. Ça dure 5 minutes. Et tout ça est un peu. Donc, je... du coup, les enfants sont présents forcément sur la. Même... Vos enfants, moi, j'ai une passion pour eux. Parce qu'ils ont la vanne dans le sang. Ah on oui. regarde. Papa, papa. Quoi Tu viens de te réveiller Oui, je viens de me réveiller, mon cœur. J'ai euh, plus vu le matin que le soir. T'as pris elle ride. Euh, D'accord. Elle ride, ouais. Ok. Papa, papa. Quoi C'est qui Dieu c'est un monsieur, enfin c'est quelqu'un, il sait beaucoup de choses. Ah bah alors c'est sûr que c'est pas toi. <laughs> bon les enfants, vous avez fait la liste au Papa Noël Oui. Bon qu'est-ce que as commandé mon coeur Un chat vivant et un petit. Eh ah bah dis donc, et vous savez ce qu'il a commandé papa Oui, un régime. Et vous soufflez rien Non honnêtement... Non, non, d'ailleurs, j'ai même fait des vidéos pour montrer comment ça se passe. C'est mes enfants qui demandent. Mais je trouve ça super parce que l'innocence, euh, ça nous rappelle, euh, bah, je ne sais pas, une forme de priorité. Et puis moi, c'est un moment que je partage avec eux euh, qui est très fort. Je suis très fier de ça. Je les aime tellement. Vous moquez pas mal de, de, de vos enfants, pas que de pas moi. Ah, celui... le terme de moquerie. Ah euh, oh ouais, vous... parce que le terme de moquerie, il y a quelque chose de très négatif là-dedans. Moi, moi mais... c'est vraiment du... Non, mais gentil. je le dis avec beaucoup d'agressivité, je vais vous taper. C'est des... C'est tant, il y a celui qui n'a pas de second degré, puis il y a, il y a quand même aussi l'aîné. Mon grand, il louche. Que d'un oeil. <laughs> je le vois tous les matins, je suis là, je me dis, oh là là. <laughs> Tellement gênant. <laughs> Je lui dis, écoute, arrête de regarder les gens dans les yeux, parce que là, les gens sont gênés, en vrai. Ah oui, toi, tu te rends pas compte, t'es de l'autre côté, mais nous, on est là en galère à choisir un oeil. Non. Parce que le mieux, c'est que tu marches comme ça dans la rue. Pas trop près, j'ai pas envie qu'on nous voit ensemble. Pas trop près, c'est pas trop loin de là-bas. Vous vous moquez pas, mais vous faites quoi là alors <laughs> Je rigole avec. <laughs> On le voit pas parce que parce qu'on choisit des extraits plus ouais. courts, mais euh, à chaque fois que je rigole sur quelque chose de manière, déjà je. Ça il le prend limite. bien en tout cas. Ah bah évidemment, j'aurais pas parlé de ça sur scène. Et puis surtout, c'est le gagnant dans l'histoire. Parce que c'est lui qui est marrant. Ce qu'on voit pas, c'est derrière quand il se retrouve avec un gamin qui lui dit T'es moche avec tes lunettes, et qu'il les enlève en faisant Ah ouais, et là, <laughs> tu le vois louche. Et je me dis Mais ça, mmh. c'est la puissance du rire. C'est là où, en fait, euh, on se méfie beaucoup mmh. du rire. On est, est aujourd'hui dans une société où il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Parce que même dans le rire, on peut franchir les limites. Je crois que franchir les limites grâce au rire, c'est justement euh, C'est de se d'ailleurs. Si... Mais parfois, on l'oublie. Moi, il y a une autre chronique que j'ai appréciée ah bon, chronique... Face à un invité. Sonne. Non, il y a une autre. <laughs> face, à un... face à une invité qui, est... qui était particulière ce jour-là, touchée. Tu veux faire l'actrice Ta vie est foutue. Passe ton bac d'abord. Le pire, c'est que tu le fais et que tu te casses à Manhattan. <laughs> Connaître des trucs pour jouer women. Un jour, tu reviens tourner un film, bing, c'est projeté à Cannes, j'y vais incognito, genre pro et con, je fonds en larmes. Et oui, là, quand je t'ai vu, devant bon, moi, en gros plan, ça m'a. C'est un choc. Je me suis dit, quand même, fuck, ma petite sirène, c'est plus une fillette. Cette oh là petite là. sirène, c'est votre fille, c'est Anna. Anna ouais. c'est un moment émouvant, on vous sent dès le départ très touché. Waouh, mais attends, oui. Elle, 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 est, elle est minote, quoi, complètement. Bah, c'est dingue de la voir comme ça, qu'est-ce qu'elle. Elle est petite, ça fait pas si longtemps, mais vraiment, c'est dingue, quoi, la vie. C est, c est et énorme, vous lui aviez euh, déconseillé de, de démarrer ben, On a peur dans pour ses enfants. On a peur, et euh, le cinéma, pour une femme, c'est dur, c'est vraiment violent. Et voilà, j'avais peur, donc quand on a peur, on dit non, on, je préfère que tu n'y ailles pas, ça serait mieux. Mais en fait, euh, je pense qu'elle s'était armée euh, elle-même, ouais. vraiment, et qu'elle m'a montré qu'il fallait pas que je m'inquiète, quoi. Quand ils apprennent à lire, nous, on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa. Vous vous adressez à vos deux fils de 10 et 13 ans parce que vous les voyez grandir trop vite, quoi. Eh, on m'avait prévenu hein, que quand on a des enfants, <laughs> le sablier s'accélère, mais. Mais je, ouais, je le confirme. Et oui, du coup, tous ces petits moments très classiques, un petit déj, une balade en voiture, bah, ces moments très banals, finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas éternels et du coup, on a envie de les retenir un petit peu. La fin d'un monde, un roman qui interroge le poids de nos héritages, de ce qui est transmis de génération en génération, les conséquences de nos choix. Vous qui n'avez jamais pu ou dû choisir entre vos passions, le journalisme, l'écriture, le cheval, euh, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants, l'art de savoir cultiver ses passions et les mener de front J'espère, j'espère arriver à ça, ça serait super. Si j'arrivais à ça, j'aurais réussi mon pari de papa. Est euh, vrai? Mais est-ce que les enfants euh, font vraiment tout ce que les parents font euh, Non, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais j'essaie de, 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 de les voilà, de élever dans cette exemplarité-là, de vivre à fond son désir, euh, l'amour, euh, choisir le chemin de l'amour. Vous savez, dans la vie, il y a deux chemins. Y a ou on choisit le chemin de la peur, ou on choisit le chemin de l'amour. Si on choisit le chemin de la peur, ça peut donner ce livre-là et ces personnages-là. Et si on choisit le, le chemin de l'amour, ben on est content, on est épanoui. Voilà. Donc, euh, être fidèle à ses désirs. Voilà pour quelques-uns de ces moments partagés avec nos invités. Dans un instant, une pluie de stars. Nathalie Portman, Edouard Baird, François Damiens, Muriel Robin, Josiane Balasco, Roche Dizem ou encore Daniel Auteuil. A tout de suite, je vous attends. On est ensemble jusqu'à 21h.